Eh bien, salut à vous les amis, ce matin, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 18, 19, quel épisode on est? Je sais plus, 18, 18 je crois. Et on va aller vers la zone finale, on est évidemment avec le grand Demon Slash. Le... Le grand Demon Slash. Bien. Lara, qu'est-ce qu'on va chercher là-dedans? Tu tiens vraiment à le savoir? Non, mais dis-le quand même. Eh bien, l'âme de la Reine Solaire est restée prisonnière d'un corps sans vie. C'est sa colère qui est à l'origine des tempêtes. Si nous détruisons ce corps, les tempêtes cesseront. D'accord. Mais pourquoi Mathias veut ça? J'en sais rien. Et c'est ce qui m'inquiète le plus. Écoute, je sais que ce plan doit paraître insensé. Ça, c'est sûr. Mais je crois qu'on n'est plus à ça près. Alors on y va. Non. Reyes et toi, vous surveillez l'entrée principale pendant que je recherche Sam. Tu comptes y aller seul? Plus on sera nombreux, plus on aura de chances d'être repérés. En restant ici, vous allez pouvoir éliminer un maximum de ces salauds. Et je ne parle pas seulement des Solari. Il y aura autre chose. Des samouraïs, les gardes tempêtes. Bref, si ce n'est ni Sam, ni moi qui approche, vous tirez. Ma petite Kai. On se reverra. Ça, je te promets. Tu peux compter sur nous, Lara. Ok, il va y avoir des salopards, comme on le pense évidemment. J'étais mute pendant la cinématique, mais devant ça, je te parlais. Mais là, c'est sérieux. Il va y avoir des samouraïs, il va y avoir tout le monde, donc va falloir qu'on fasse un peu attention et qu'on soit peut-être un poil discret. On va voir. J'étais bien des mutes, hein, Cédric. Je suis le docteur James Whitman. Je viens à vous en paix. Je vous amène votre nouvelle reine. Votre reine. Votre... Yo-ho. Ok, on a eu un archer. Donc, ouais, Whitman s'est fait découper par les samouraïs. Ils se sont fait jeter dehors par le vent. Un coup de bambou. Ouais. Je lui ai mis une flèche dans le cul au gars. Donc, ouais, il va y avoir des connards. On va leur faire très très attention maintenant. Où est son cadavre? Je sais pas. Les mecs, on est d'accord, je t'ai tué, non? C'est une blague. Je lui ai mis une flèche dans le cul. Quelle blague? Forteresse de l'abîme. Ouais, il y a des japonais. Hein. Il y a des samouraïs. Est-ce qu'on les attaque ou pas? Oui, on va les attaquer, allez go. Non, on va pas. Si, on va les attaquer. On n'a pas le choix, ils m'ont vu. Fuck, je peux pas reculer. Allez, dégagez.
On aurait pu les laisser passer en vrai. Mais non. Molitaire, ça, elle n'en est pas capable. Bon, dernière fois qu'on fait ça. Là, dans un petit couloir, honnêtement, j'ai eu un petit peu peur. Voilà, en toute discrétion, les amis. Comme je vous l'ai dit, on va faire ça en mode très très discret. Non, là, c'était peut-être... c'était un peu belliqueux, on va dire. C'était un peu belliqueux. On va faire vraiment attention, cette fois-ci. En vrai, c'était peut-être pas la meilleure des idées que j'ai eues dans ce let's play. Mais ça fait des matériaux. Je vais préparer mon fusil maintenant. Enfin, je vais quand même remettre le fusil à pompe. Non, quoi que je vais mettre celui-là. Je vais m'équiper de celui-là. On sait jamais. Oh, des japonais! Venez, on les attaque! Les samouraïs! Oula. Ah non, on va peut-être pas les attaquer en fait. Hein. Ils sont peut-être un peu nombreux. Qu'est-ce que vous en pensez? Il y a du monde là. Là, il y a un petit peu de monde. Hein. Ah oui, il y a un petit peu beaucoup de monde. Il y a toute l'armée là. En vrai, je lance une grenade là-dedans, c'est la fête, mais je me fais buter. C'est clair et net qu'ils vont tous me foncer dessus. Mais en vrai, c'est très tentant de lancer une grenade là-dedans. Ils sont bien rangés en plus, les mecs. Une grenade là-dedans, on fait un massacre. Mais on va peut-être pas tenter. On va passer en toute discrétion. Évidemment, je suis très très discret moi. Donc, ça va. Par contre, les crânes qui tombent. Ah oui, oui. Ils m'ont vu. Vite, fuis. Crange tes fesses, c'est bon. Ok, on se fait tirer dessus. On se casse de là. Mais c'est quoi ce flèche qui tire là? C'est des lances là, machin. Ok, on va s'équiper de ça au cas où. Crève. De mieux qu'un fusil à pompe pour ce mec là. Bah je sais pas comment ils sont vivants, c'est encore des momies quoi. Comme d'hab. Oh, un rat. Ouais, je l'ai eu. Je crois qu'on avait pas tué de rat encore dans cette plaie. Ça me dit en tout cas. C'est bien d'user une balle pour un rat alors, enfin une grosse balle de fusil à pompe alors que il y a des mecs partout. C'est bien, Molitaire, très très bien. Très économique. Du coup, il nous reste, il manque 300. Est-ce qu'on va réussir à avoir les matériaux qu'il nous faut? J'espère. Ce serait cool. Allez, on va ouvrir. Et là, les amis, je pense qu'on arrive sur le premier des combats finaux, je crois. Ouais, on arrive vers les premiers combats. Ça va être nice. J'adore ce combat. C'est ma zone préférée ici. Et il y a des connards qui approchent. Il y avait un mec qui nous a vu là. Donc les amis, j'espère que vous êtes prêts pour juste le meilleur combat de ce jeu. En quelques instants, sous vos yeux ébahis. Parce que là, ça va être épique. Ok, tout le monde qui arrive là.
Ok les salopards, on va s'occuper de vous. Il y a des salopards qui nous arrivent dessus, du coup, les gardes de tempête, les samouraïs. Crève, salopard! T'as voulu faire le malin, toi, mon gars? Voilà, ça, c'est de l'exécution. Je les tiens, mon gars. Par contre, attendez, je vais aller chercher les cadavres, moi. Je vous rappelle qu'il me faut 3 matériaux et je pense qu'on arrive au point de non-retour. Donc, il me faut des matériaux absolument, là. Je suis à vous dans une seconde, les gars. Je parle pas japonais, mais il faut que c'est quand même une belle langue. Là. Il y en a un qui s'est barré là, il a eu peur du grand militaire. Monte ta tête. Poum! Oh, c'était tellement beau ça. La grosse flèche dans la gueule, c'était incroyable. Il y a encore des archers. Allez, on est presque au matériau qu'il nous faut, les gars. Franchement, on y croit. Hein. On y croit encore et toujours. On y croit encore et toujours. On va avancer maintenant. On a nettoyé le premier truc. Je vais tuer l'archer en haut parce qu'il va nous embêter. Voilà. Je me barre de là. Il y a un archer qui est en train de me plomber le cul là. Moi aussi j'ai un arc. Hein. Il y a un arc qui perce les armures surtout. Bon, on va être bon, là. On va bientôt être bon. Allez, on y croit pour les matériaux, on y croit. Il y a un feu de camp après le gros qu'on a vu, il me semble. Merci pour vos matériaux d'avance. Toi, tu redescends, mon gars. T'es pas redescendu, mais t'es mort. Toi, mon gars, t'es mort dans d'atroces souffrances. Et ça me fait plaisir. Oh là 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 là, cette explosion! On a quasiment buté tout le monde là, on va être bon hein, niveau matériaux, ça va être nice. Et c'est bon les amis, on a tous les matériaux qu'il nous faut. C'est officiel. Du coup maintenant on va juste buter ces cons. Maintenant on s'en fout, c'est plus important. Maintenant on va juste buter tout le monde. Faut que je me barre, faut que je me barre, faut que je me barre, faut que je me barre. Attendez, attendez, ils vont reprendre les hauteurs. Je prends quand même vos munitions si jamais. Crève, salopard! Non, il va me buter! Fuck! Ah, j'ai un peu joué le kéké là. Soyons honnêtes, j'espère que j'ai encore mes matériaux par contre, sinon ça va chier. Là par contre, je suis pas d'accord, c'est plus mes matériaux. Normalement, c'était bon avant cette phase, mais on sait jamais. Au pire, il manquait pas grand chose. Ouais, c'est bon, là, ce qu'il faut, là, ce qu'il faut. Va juste falloir buter les archers.
Et enlever le silencieux aussi. Toi tu vas descendre mon gars. On est mort. Attends, il y a des boucliers qui arrivent là. Allez, on décède. Et c'est bon. On a buté tout le monde. Et on a tous les matériaux. C'est une très très belle réussite dans les pêches. Je crois qu'on a tout normalement. C'est une franchement belle réussite dans les pêches d'avoir tout là. Franchement. Et il y a encore le gros. Je vais regarder combien de temps on est dans cette salle. Et en tout cas les amis, niveau matériaux normalement on a tout hein. 100%, 100%, 100%, 100%. Il reste que les flèches là normalement. Et voilà, le professionnel, j'ai eu un succès et on a toutes les armes à 100%. C'est une super réussite dans Let's Play je trouve. Super réussite. Franchement, c'est la première fois que je le fais en 90 heures de jeu, hein, dites-vous bien, donc c'est une très très belle réussite en Let's Play, je trouve. Et je suis très content qu'on ait réussi, franchement. Très très content qu'on ait réussi. C'est vraiment cool. Pour le coup, vraiment bien. Vraiment une très très belle performance de la part du joueur français. Et là encore une zone bien dégueulasse avec des corps partout là. Ah, il faut que je lève. Faut que je lève la truc peut-être. Il y a donc une nouvelle énigme. On arrive sur la fin du jeu. On arrive bientôt au point de non-retour. Donc le dernier feu de camp bientôt. Mais on a eu tous les matériaux et ça c'est une, franchement je suis très content. Vraiment nice. La faïence chinoise a plusieurs milliers d'années. Aurait-il vécu sur cette île avant l'avènement du Yamatai? On trouve beaucoup d'objets chinois. J'espère que je me trompe pas parce que depuis le début de l'espèce je dis japonais, mais ça se trouve c'est des chinois. Je devais le faire. Et disons que... Mais bon, les samouraïs, à mon avis, c'est quand même japonais. Hein. Je pense. Samouraïs, oui, c'est japonais, oui. Je suis pas un expert de la chose, mais je peux quand même assurer que les samouraïs, c'est japonais. Oui, samouraïs, c'est japonais. Enfin, oui, c'est japonais. Samouraïs, je sais pas si... Je crois que c'est que japonais, mais je sais pas si... Oui, il me semble que c'est que japonais. Hein. Ça m'a... Parce que la grande muraille de Chine, il y avait des samouraïs aussi. Ouais. Oh, je sais plus. Les grandes murailles de Chine et les samouraïs. Oui. Comment ça? Dans un soldat. Je sais pas. Si. Enfin, moi j'ai entendu ça en tout cas. Enfin, j'ai lu ça. Je ne sais pas. Je ne pourrais pas l'assurer. J'espère que je dis pas de conneries. J'espère que c'est bien Je pense que c'est quand même bien du Japon. Hein. Oui, c'est japonais, mais il me semble qu'il y en a aussi. On a ouvert ça, mais je peux pas monter sur la cage, donc il faut peut-être que je redescende, que je ferme ça, et je vais la redescendre un petit peu la cage, et on va se balancer dessus. Et je pense qu'on a le droit à un dernier épisode pour finir le jeu. Malheureusement, on finira pas sur l'épisode 20, mais écoutez, c'est pas mal. Elle va devoir tomber donc je peux pas faire mieux en fait.
peut pas faire beaucoup mieux, les amis. Donc on va faire comme ça. Mais non, je rate pas ce saut, je sais quand même jouer aux jeux vidéo, encore une fois, je te l'ai déjà dit, Lara. Je sais, normalement, je pourrais jouer aux jeux vidéo. Les reines solaires. Le rituel au cours duquel la reine choisit celle qui lui succède. La prêtresse désignée entre dans le monastère. Elle s'empare de ton pouvoir et devient la nouvelle reine. Oh mon dieu, mais alors? La plupart étaient prêtes à donner leur âme en échange de ce don. L'âme de la première et dernière reine est désormais prisonnière d'un corps sans vie. C'est donc ça. Ce n'est pas un transfert de pouvoir. Non, c'est bien un transfert d'âme. Toutes ces reines, elles étaient... toi et Miko. Première et dernière. Oh mon dieu. Maintenant tu veux Sam. Je ne te laisserai pas faire. Ah non, on va pas la laisser faire, cette Miko. Du coup, les amis, je pense qu'on va s'arrêter là. Comme ça, on va se laisser le suspense du combat final pour la prochaine fois. On aura déjà eu un beau combat contre tous ces samouraïs. Du coup, les amis, merci à vous d'avoir regardé cet épisode. Et rendez-vous à la prochaine pour, à mon avis, l'épisode final. Salut à vous et à la prochaine.